Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour ma traditionnelle vidéo sur les produits terminés. Excusez encore ma voix un petit peu enrouée. J'ai de nouveau la gorge prise. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, si, je pense savoir pourquoi. Des températures très basses le matin et des températures très hautes l'après-midi. Donc, forcément, ça fait un contraste un petit peu. Voilà, différent. Du coup, j'ai un petit peu le nez qui coule. J'ai encore la gorge prise, mais bon, rien de dramatique. Donc, on est parti pour la vidéo de produits terminés comme d'habitude. Alors, mes petites tablettes que j'adore de chez Action, les WC Cleaning Tab. J'adore ces pastilles-là pour les WC. Franchement, elles sont trop trop bien. Donc j'utilise une à deux fois par semaine, souvent le samedi quand je fais le grand ménage, et puis parfois en milieu de semaine quand j'ai envie de repasser un petit coup, etc. Donc je mets du gel WC, je mets la pastille dedans, je laisse agir plusieurs temps et c'est trop trop bien. Franchement, je vous les recommande. Le paquet de 10, c'est 1,11 €. Ça vaut trop le coup. Du super fine, du déboucheur. Bah oui, j'ai eu des soucis encore cette semaine. Dans mon lavabo, tout simplement. J'en mets toujours à peu près une fois tous les 15 jours, lavabo et baignoire. Pour tout ce qui est résidus de cheveux, de savon, etc., je perds énormément, énormément mes cheveux. Donc voilà. Des petits accessoires, des élastiques à cheveux, toujours de chez Action pour ma fille qu'elle adore à 99 centimes. J'ai terminé un déodorant de la marque Sienne. Celui-ci, c'est parfum de vanille, caramel et cannelle. Comment vous dire? J'adore ce déodorant. Donc, je l'utilise quand il n'y a pas de forte chaleur. Mais franchement, moi, j'aime bien ces éditions-là limitées. J'avais testé, je crois, pastèque ou melon cet été. J'avais moins aimé. Par contre, celui-là, je l'adore. Un liquide vaisselle de la marque Mirvaisselle. Celui-ci, c'est à l'aloe vera dégraissant peau sensible. Donc, je l'avais eu en promo chez Leclerc. Et en plus, j'avais un bon de réduction. J'ai dû le payer 60 centimes. Donc, très, très bien. Un lave-vaisselle classique. Liquide vaisselle, pardon. Une douche crème douceur d'enfance. Donc là, c'était un grand format acheté chez Lidl. Celui-ci, c'est au bonbon multicolore. On adore dans la famille. Celui-ci, il est très, très bien. Un autre gel douche qu'on adore également, c'est le Ushuaïa à la grenade. J'avais pris ça en promo chez Beauté Leclerc, je crois. Donc, c'était un lot de 3. Donc là, c'est 300 millilitres et j'adore l'odeur de grenade. Très, très bien, je recommande. Ma fille a terminé des gels pour les cheveux de la marque Sienne. Donc là, c'est Force 9, sans effet collant, fixation extra forte. Donc, très, très bien. J'ai terminé une recharge Airwick en édition limitée. Celui-ci, c'était pomme au four et cannelle. J'ai adoré. Donc, c'est mon amie qui me l'avait donné parce qu'elle n'aime pas trop la pomme cannelle. Et moi, j'ai bien, bien aimé. Pas de souci particulier. Donc, Airwick, c'est en format 250 millilitres. J'ai mis en circulation mon petit désodorisant pour ma voiture acheté chez Stoccomani. Donc, c'est senteur bubblegum. J'adore. J'adore, j'adore. Je suis vraiment fan. Il coûte 2,95 € à Stoccomani. Je l'avais vu sur une chaîne YouTube. Franchement, j'adore. Ma voiture sent trop, trop bon. J'ai terminé des sacs poubelles d'Humil en 10 litres pour la salle de bain. C'est des sacs poubelles avec deux petites anses. Donc, vous avez juste à prendre le sac, à nouer, à mettre à la poubelle. Franchement, je les aime beaucoup. Et ça coûte 69 centimes, je crois. Un sachet de vaniche blanco pour la lessive de blanc, un incontournable chez moi, une dose, une lessive, parfait. J'ai mis en route une bougie de la marque Aïva Aimée, la commande que j'avais fait récemment. Donc spéciale édition Pinot Noir, j'adore, c'est aux fruits rouges. Comment vous dire l'odeur de la diffusion de cette bougie, j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Je vous recommande franchement ces bougies. Il y a beaucoup beaucoup de codes promo, n'hésitez pas. J'ai terminé ces barres-là de la marque De Kip Nut Bar à la pistache. Pardon, à la pistache. 3 barres, 1,79 €. C'est une dinguerie. J'ai déjà essayé aussi les autres. Je ne sais plus, je crois que c'était aux fruits rouges.
Franchement, je les adore. La dernière fois que j'y suis allée, il n'y en avait pas. Mais je les aime vraiment beaucoup. Je jette l'emballage de mon Pilou Pilou Lulu Castagnette acheté chez Stokomani. Je l'ai lavé et malheureusement, les pompons se sont cassés. Donc, les pompons ne tiennent pas. Donc, du coup, j'ai refait un petit nœud au bout des ficelles. J'ai mis les pompons à la poubelle. Franchement, le Pilou est très, très bien quand même pour 9,99€. Très, très chaud. Très, très agréable à porter. Je vous le recommande également. J'ai terminé une grande lessive de la marque Supercroix Japan Relaxation. Fleurs de cerisier et thé vert. J'ai bien aimé. Une lessive qu'on lui demande de laver. Voilà, tout simplement, j'adore. Après, comme vous savez, j'avais eu ça en déstockage dans un magasin promo marché. Mais sinon, je prends souvent celle de Lidl que j'adore. Les sacs poubelles en 50 litres de la marque Purio. C'est ceux de chez Lidl. Je les préfère beaucoup mieux que ceux de chez Action. Action, ils sont tout fins maintenant. Ceux de chez Lidl, ils sont vraiment très très bien. Très résistants, très costauds. Là, il y en a 15 dans le rouleau. Souvent, il y a des promotions. Un acheté le deuxième à moins 60%. Donc, j'en profite toujours pour en racheter. J'aime vraiment beaucoup ceux-là. J'ai terminé une mousse nettoyante de la marque Sanoflore. La mousse Magnifica que j'adore et que je rachète de temps en temps. Du coup, maintenant que je les mets dans la baignoire, eh ben, ça descend beaucoup plus vite parce que dès que je vais dans la baignoire, je nettoie mon visage avec la mousse et j'adore. Voilà. Donc, c'était un format 150 ml. Dire que je rachèterai, oui, mais pas tout de suite parce que j'ai encore du stock à utiliser. Et je préfère déjà utiliser mon stock avant. Du papier sopalin de la marque OK. Donc là, c'était une promotion chez Carrefour. C'était les 8 rouleaux, je crois. Ouais, 8 rouleaux à moins 70%. Donc, ça valait le coup. Toujours le Renova 4D en papier toilette. Pareil, je l'avais eu avec mon application Shopium. Très, très bien. J'ai terminé un savon douceur gel lavant intime. De la marque Corinne de Farm bio acheté au Beauté Leclerc. J'adore, j'adore. Il m'en reste plus qu'un en stock, mais franchement, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce gel-là. Donc, c'est un 250 ml. J'ai mis en circulation mon baume démaquillant de chez Shiglam, Shein. Je l'ai utilisé déjà deux soirs. Franchement, j'adore. Il sent trop bon. Texture très très bien, nettoyage très très bien. Franchement, je pense que je le rachèterai. J'adore. Voilà, tout simplement. Donc, si je l'ai mis en circulation, c'est que j'ai terminé celui-ci de chez Clinique qui m'a coûté 25€ en promo au lieu de 45€ chez Nocibé. Je l'ai gardé au moins 5 mois et j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé ce baume démaquillant. Donc, si un jour il y a une promotion, etc. Après, là, c'était vraiment le gros pot en 125 ml. Je sais qu'il existe en 30 ml. Je le rachèterai. Donc ça, c'était une découverte que j'avais faite sur la chaîne de Manon, les passions de Manon. Elle en avait beaucoup, beaucoup parlé et j'avais succombé, du coup, à la tentation. Et je ne regrette pas, c'est un très bon produit. J'ai utilisé un échantillon que j'ai eu par mon ami, je crois. Le Giorgio Armani Eau de Parfum Intense. J'ai adoré, adoré ce parfum. Il sent trop, trop bon. Donc, il vient de sortir récemment. Je ne sais pas, j'ai dû faire deux utilisations avec un petit échantillon comme ça parce qu'il était vraiment bien rempli. Excusez-moi. On termine par... ma fille a voulu s'acheter ceci chez Action. C'est un anti-freeze stick. Donc, c'est un mascara en fait pour plaquer les petits cheveux, etc., qui dépassent. Voilà, elle l'utilise en ce moment et franchement, elle aime beaucoup. Je ne sais pas combien elle a payé ça, moins de 2€, me semble-t-il, mais elle a dit tu peux en parler sur ta chaîne et tu peux dire à ces personnes-là que c'est un très bon achat. Donc, c'est souvent pour plaquer les petits cheveux devant. Elle aime bien être bien coiffée. Et comme elle est apprentie cuisinière, il faut toujours qu'elle ait les cheveux bien plaqués et tout ça. Et franchement, elle aime beaucoup ce produit.
Ensuite, on va terminer par les bougies que j'ai utilisées et que j'ai fait fondre. Donc, une bougie de chez Nocibé, les délices de Nocibé. Donc, celle-ci, c'était macaron framboise. Très, très bien. Voilà, très, très bien. Donc, là, c'est vraiment un ancien stock que j'avais, des soldes d'il y a 2 ans, je crois. Donc, très, très bien. Comme d'habitude, mes petites Yankee Candle, celle-ci, c'était mango ice cream. Donc, comme d'habitude, on adore. Une autre, la Berry Mochi. Donc, celle-ci, j'adore, j'adore, j'adore. Donc, ça sent vraiment le gâteau, hein, tout simplement. Très, très bien. J'ai utilisé un petit fondant à la framboise que ma fille m'avait acheté sur la foire exposition de Chalon. Voilà, en forme de petit ourson guimauve. J'ai bien aimé. Par contre, au bout de la deuxième utilisation, donc du deuxième réchaud, je trouve que ça sent quand même un peu le cramé. Ouais. Donc, une utilisation, c'est bien, mais je reste sur mes fondants Yankee Candle ou sur mes fondants cire Hansen qui sont pour moi indétrônables. Voilà. C'était bien de tester un petit peu autre chose, mais je préfère vraiment cela. En parlant de Yankee Candle, j'ai utilisé un galet de Yankee Candle. Donc, celui-ci, c'était Sweet Plum Sake. Ça sentait trop, trop bon. Donc, j'aime bien aussi les Yankee Candle, hein, les faire brûler. J'adore cire Hansen, comme vous le savez. Là, c'était une découverte sympathique malgré tout, mais c'est vrai que je trouve au début de la deuxième, troisième utilisation, l'odeur du fondant tourne un petit peu. Voilà. Eh bien, écoutez, la pagnette est vide. Les produits terminés sont donc finis. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à liker, à commenter, à vous abonner. Et je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!